Primo, voglio ringraziare la città di Pistoia, il sindaco, il presidente della Casa di Risparmio di Pistoia e Ipeccia per l'invito. Purtroppo non parlo italiano bene, però capisco le domande in italiano. Parla francese, sì. Alors, donc aujourd'hui, je voudrais vous parler donc du métissage, identité et branchement. Et je crois que la meilleure façon de procéder pour en parler, c'est de vous faire part de mon parcours intellectuel et scientifique. Oui. Bonjour. Oggi vi parlerò del meticciato, identità e connessioni. Credo che il modo migliore di farlo sia quello di raccontarvi qual è stato il mio percorso intellettuale e scientifico. Alors moi je suis un anthropologue qui est spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, Conakry. Et mon premier travail a consisté à déconstruire la notion d'ethnie. Alors, j'ai étudié plusieurs groupes ethniques, les Peuls, les Bambara, les Malinkés essentiellement. Io sono un antropologo, specialista in Africa dell'Ovest, in particolare Mali, Costa d'Avorio, Guinea Conakry. Il mio primo lavoro ha consistito nel decostruire la nozione di etnia, ossia mi sono concentrato sullo studio di alcuni gruppi etnici come i Peul, Bambara e Malinké in particolare. Et c'est pour cela que j'ai été amené à utiliser la notion de métissage. En effet, contrairement à ce qu'on m'avait appris sur les bancs de l'université, à la Sorbonne, dans la région où j'ai travaillé, dans le sud-ouest du Mali, au lieu d'être confronté à des groupes ethniques fermés, figés, bien distincts les uns des autres, j'ai pu constater à travers mes enquêtes de terrain que, en fait, ces groupes étaient flous, labiles, souples, et qu'on pouvait changer relativement facilement d'identité. In realtà ho utilizzato la nozione di meticciato. Contrariamente a quanto avevo studiato all'università, mi sono reso conto, lavorando sul terreno, quindi in questi paesi del sud-ovest africano, come il Mali in particolare, che nello studiare questi gruppi etnici immaginavo di trovare dei gruppi molto chiusi fra di loro, non interconnessi. Invece mi sono reso conto del contrario, che questi gruppi sono estremamente flessibili, mobili, e quindi che si poteva cambiare abbastanza facilmente di identità. Par exemple, des groupes, des familles, des clans, des lignages pouvaient changer d'identité, pouvaient changer de nom de famille, de nom de clan. Ils pouvaient changer d'identité ethnique aussi, par exemple des Peuls devenir Bambara ou Malinké, ou réciproquement. Ils pouvaient changer d'identité politique aussi, passer d'un stade que les anthropologues nomment lignager ou segmentaire à un stade, au stade de la chefferie, du royaume ou de l'État. Ils pouvaient passer du paganisme à l'islam et inversement retourner au paganisme. Enfin, il pouvait passer de l'économie d'autosubsistance, destinée surtout à satisfaire leurs propres besoins, à l'économie marchande et inversement. Quindi mi sono reso conto che i cambiamenti erano possibili. Le famiglie, i gruppi, i clan potevano cambiare nome, potevano cambiare appartenenza, si poteva anche cambiare identità dell'etnia, cioè i Peul potevano diventare Bambara e viceversa. Si poteva anche cambiare l'identità politica, come ad esempio nascere, come si dice, come un'entità segmentata per diventare poi un regno, oppure si poteva passare dal paganismo all'islam e viceversa, oppure da un'economia di autosussistenza ad un'economia mercantile. Tutto questo era possibile. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai été amené à utiliser la notion de métissage
et de syncrétisme originaire pour désigner ce type de situation, puisque je considère que chaque ethnie, chaque culture, chaque identité est originairement, dès le départ, métisse, composite. C'est une sorte de patchwork. Quindi ho cominciato a usare questa nozione di meticciato, di sincretismo originario, proprio perché ritengo che ogni etnia, ogni cultura, ogni gruppo è meticcio fin dall'origine, una specie di patchwork. Allora, ce faisant, et c'est important de le signaler, de le souligner par rapport aux études postcoloniales qui prennent de plus en plus d'importance un peu partout, et je suppose aussi en Italie, ici. Donc, j'ai utilisé cette notion de métissage, mais dans un sens différent des auteurs postcoloniaux qui parlent de créolisation, d'hybridité, en anglais hybridity, puisque ce sont des auteurs essentiellement américains, nord-américains. Donc pour moi, la créolisation, l'hybridité ou le métissage n'était pas le résultat de la rencontre entre des cultures exotiques ou primitives, disons, et puis la culture occidentale, puisque pour les auteurs postcoloniaux, c'est cela. Pour moi, le métissage, la créolisation ou l'hybridité était originaire. Questo è un aspetto importante che va sottolineato soprattutto in questo momento, perché gli studi postcoloniali si sviluppano sempre di più, suppongo anche in Europa, e cioè il senso del meticciato è diverso, il mio senso del meticciato è diverso rispetto al senso del meticciato, della creolizzazione o dell'ibridità, come dicono gli americani, che considerano che questi siano il risultato di un incontro tra la cultura esotica e la cultura occidentale. A mio parere non è così, proprio perché, a mio parere, il meticciato è qualcosa di originario, qualcosa che esiste in origine ad ognuno. Alors donc j'ai utilisé cette notion de métissage, de syncrétisme originaire et aussi de chaîne de société pour montrer que justement on pouvait passer insensiblement d'une identité à une autre, que ce soit sur le plan politique, économique ou religieux. Mais alors cette notion de métissage, elle a connu un succès foudroyant, soit sous l'angle de l'hybridité, soit sous l'angle de la créolisation, soit sous l'angle de la notion de métissage. Et je pense ici à des auteurs comme Édouard Glissant pour l'univers francophone, ou bien Omi Baba pour l'univers anglophone, par exemple. Quindi è così che sono arrivato ad utilizzare questa nozione di meticciato, la nozione di catena di società, proprio per dimostrare, per spiegare che si può passare da un'identità all'altra, da un'identità politica a un'altra, economica o religiosa. E questa nozione di meticciato ha avuto un'evoluzione davvero sorprendente. Pensiamo ad esempio all'evoluzione di autori come Édouard Glissant per il mondo francofono, Babar per il mondo anglofono. Alors donc j'ai constaté et j'ai déploré cette floraison de l'utilisation de ces notions de métissage, d'hybridité, de créolisation, à la fois dans le domaine anthropologique, dans le domaine artistique aussi, et dans le domaine de la consommation, du marketing. Donc il y a un marketing, le marketing actuellement, qu'il soit artistique ou qu'il se réfère plus précisément au domaine de la consommation, réfère de façon énorme à la notion de métissage, d'hybridité et de créolisation. E quindi purtroppo è anche con dispiacere che ho visto lo sviluppo estremo di queste nozioni di meticciato, creolizzazione, ibridazione nei settori più vari, settore artistico, economico, ma anche nel marketing, nel consumo vero e proprio. Par exemple, dans le domaine de la cuisine, dont il était question ici ce matin, on constate de plus en plus que les notions de métissage et de créolisation et d'hybridité sont employées, sont diffusées, notamment à travers la notion de fusion food, par exemple. Et on constate maintenant, par exemple, que la cuisine française, ce qui est, en tout cas le nec plus ultra de la cuisine française, c'est de métisser, par exemple, ou de croiser ou d'hybrider des plats traditionnels comme le cassoulet, par exemple, avec du piment.
E questo lo vediamo, come dicevo, in tutti i settori, questo meticciato, questa creolizzazione, i settori più vari. Ad esempio, pensiamo alla cucina, se ne parlava questa mattina proprio qui. Ebbene, oggi esiste sempre di più la cucina fusion, ossia questa cucina che tende a mescolare i diversi sapori. In Francia, ad esempio, un piatto tradizionalissimo, come potrebbe essere il cassoulet, viene oggi meticciato e a questo cassoulet si aggiunge tanto peperoncino. Alors, on constate ça aussi dans le domaine artistique, puisque, par exemple, à la fois dans le domaine du théâtre, de la littérature, de la chorégraphie, de la danse, des arts plastiques et visuels, on considère que l'art occidental est en quelque sorte est parvenu à une sorte de cul-de-sac, et qu'il est nécessaire de le régénérer, de le rafraîchir, de lui donner une nouvelle vigueur en recourant à des arts exotiques. Anche dal punto di vista dell'arte possiamo riscontrare questo fenomeno, sia nel teatro come nella letteratura, la coreografia, la danza o le arti plastiche. Vediamo sempre di più che l'arte occidentale si trova oggi in una specie di strada senza uscita e quindi è obbligato a rinfrescarsi, diciamo così, a ritrovare vigore utilizzando le arti esotiche. Alors, c'est cette volonté, ce sentiment d'être arrivé à une sorte de fin de l'histoire pour la civilisation et la culture occidentale, et la nécessité de redémarrer à nouveau sur des bases nouvelles, qui fait recourir à cette notion de métissage, d'hybridité et de réalisation, et qui fait aussi utiliser des pratiques de croisement et d'hybridité pour parvenir à ce but. Ed è proprio quindi questa sensazione di essere arrivati alla fine della storia che vive sempre di più la civiltà o la cultura occidentale che fa sì che si sviluppino sempre di più queste tendenze al meticciato, alla creolizzazione, e quindi è questo che porta agli incroci, proprio perché sembra essere l'unica via per arrivare ad una soluzione. Alors évidemment, il est malaisé d'une certaine façon de critiquer ces notions de métissage, d'hybridité, de creolisation. Surtout sur le plan politique, quand on se situe à gauche. Quand on se situe à gauche, on est enclin à utiliser ces notions, notamment dans le cadre du multiculturalisme. Il y a toute une partie de la gauche, notamment en France, mais je pense aussi en Italie, qui veut se servir du multiculturalisme pour contrer les politiques ou les mots d'ordre racistes qui sont énoncés par la droite, et ça vaut, me semble-t-il, aussi bien pour la France que pour l'Italie. È un po', come dire, delicato criticare questo concetto del meticciato, dell'ibridazione, della creolizzazione, soprattutto se si parte da una corrente politica di sinistra, perché questa parte politica, la sinistra, usa tendenzialmente questa nozione per cercare di giustificare, di sostenere il multiculturalismo, e questo lo fa per affrontare, diciamo, per opporsi ai propositi talvolta xenofobi o razzisti della destra. Par exemple, face au discours de droite en France, par exemple, qui met l'accent sur les Français de souche, hein, les Français de pure origine, de pure stock, comme c'est le cas actuellement avec Nicolas Sarkozy, l'attitude multiculturelle qui veut mettre en avant la composition diverse et variée de la population française, le fait qu'il y ait des Noirs, qu'il y ait des Arabes, qu'il y ait des Maghrébins ou des Tziganes, etc. en France, évidemment est une attitude généreuse qu'il est difficile de critiquer d'emblée. Quindi facciamo l'esempio della Francia. Il governo attuale del presidente Sarkozy sostiene il valore dei francesi d'origine, i francesi veri, puri. E naturalmente a questo si oppone l'atteggiamento multiculturale della sinistra, che sostiene invece il valore della varietà della composizione della popolazione francese, composta appunto da arabi, da persone di colore, da francesi locali. Insomma, per questo dico che è un po' delicato opporsi a questo concetto di multiculturalismo, perché naturalmente si tratta di un atteggiamento molto generoso, quello di questa sinistra.
Surtout que c'est sur la base de ces politiques, enfin de ces points de vue multiculturalistes ou de ceux qui s'appuient sur le métissage, l'hybridité et la cruralisation qu'on met en place les politiques de discrimination positive qui visent à promouvoir justement les groupes qui sont discriminés, comme enfin en France, comme on dit, les blacks, les beurs, enfin les noirs, les arabes, mais aussi les gays, enfin tous les groupes, les sourds-muets, etc., tous les groupes qui font l'objet de discrimination. Mais le problème, c'est qu'en mettant l'accent sur la discrimination de groupes particuliers, singuliers, on oublie aussi les problèmes d'exploitation. Per questo dicevo che è difficile, perché questi atteggiamenti multiculturali che sostengono il multiculturalismo sono quelli che consentono di sviluppare protezioni o aiuti per le popolazioni discriminate, quello che si chiama la discriminazione positiva, ossia si cerca di aiutare i gruppi svantaggiati, le persone di colore, i francesi che provengono da un'immigrazione, quindi le seconde generazioni, oppure i gay o i disabili. Il problema però è che quando si sottolineano troppo, quando si sottolineano eccessivamente queste discriminazioni che colpiscono alcuni gruppi, si rischia di dimenticare il concetto di sfruttamento. Oui, c'est effectivement ces politiques multiculturelles axées sur la créolisation, l'hybridité, le métissage mettent l'accent sur les entailles, les découpages verticaux au sein de la société au détriment des découpages horizontaux, des vieux découpages de classe, enfin. Et donc, d'une certaine façon, je crois, c'est aussi une manière d'oublier tous ces phénomènes liés à l'existence du capitalisme. Queste politiche quindi sottolineano quelle che oggi vengono definite le spaccature verticali della società, dimenticando però le vecchie spaccature orizzontali, ad esempio la divisione in classi, dimenticando quindi l'eredità del capitalismo. Alors c'est pour cela que pour ma part j'ai décidé à renoncer à utiliser la notion de métissage, pas au sens du syncrétisme originaire, parce que je persiste à penser que chaque culture, chaque ethnie, chaque identité est originairement métisse et originairement composite, c'est un patchwork, mais parce que précisément je crois que le métissage, la notion de métissage, de créolisation et d'hybridité charrie avec elle tout un arrière-plan biologique. È per questo quindi che ho rinunciato, ho deciso di non utilizzare più questa nozione di meticciato, creolizzazione o ibridazione. Non perché abbia cambiato idea, ma perché sono convinto, e questo lo ribadisco, che ogni cultura, ogni etnia e ogni identità è fin dalle sue origini meticcia, un patchwork, come dicevo prima. Però credo che il concetto di meticciato, creolizzazione e ibridazione porti con sé un bagaglio biologico. En effet, pour métisser, pour hybrider, pour créoliser, il faut supposer au départ, comme nous l'enseigne la zoologie ou les spécialistes de l'élevage, il faut sélectionner au départ des races ou des cultures pures. Pures. Mi spiego. Perché dico che c'è un bagaglio biologico? Perché per meticciare, per ibridare, come ci insegnano gli allevatori, ad esempio di bestiame, bisogna in primis selezionare delle razze pure. Alors que ça peut être dans le domaine animal, la race chevaline, bovine, ovine, et sinon c'est le domaine justement des cultures, des identités et des ethnies. Donc il faut d'abord, dans un premier temps, sélectionner des races, des lignées ou des cultures pures, pour ensuite hybrider, et produire des métis ou des hybrides. Il faut ensuite croiser pour produire des hybrides ou des métis. Quindi questo avviene per i cavalli, per ogni genere di animale, ma se ci rifacciamo invece all'aspetto culturale, identitario o etnico, questo significa che bisogna innanzitutto selezionare una razza pura e poi le razze pure incrociarle fra di loro per arrivare ad avere degli ibridi o dei meticci.
Donc le métissage, paradoxalement, il y a un paradoxe du métissage, c'est de renforcer finalement, en définitive, l'existence de la croyance en des races ou en des cultures pures, puisque les cultures, en fait, sont des substituts. C'est un substitut de la notion de race. La notion de culture ou d'ethnie est un substitut de la notion de race, ou d'identité, d'ailleurs, c'est la même chose, pour moi. Quindi qual è il paradosso di questa, tra virgolette, politica del meticciato? È proprio quella di consolidare l'idea o di rinforzare l'idea o la credenza che esista una razza o più razze pure e quindi una razza o cultura pura, razza o cultura che a mio parere è la stessa cosa visto che uno è sostituto dell'altro. Alors c'est pour cela que à la place de la notion de métissage ou de logique métisse, hein, il y a un de mes livres qui s'appelle Logique et métiche en italien, j'ai préféré lui substituer la notion de branchement qui a donné en italien connessioni. Et par connessioni, qu'est-ce que je veux dire ? Par branchement, qu'est-ce que je veux dire ? C'est que je conserve l'idée de chaîne de société, c'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser, prendre en compte une seule culture, une seule identité ou une seule ethnie indépendamment de ses voisines. Il faut analyser tout un ensemble de sociétés voisines ou de sociétés, de cultures, d'ethnies ou d'identités voisines, si l'on veut comprendre comment ces identités fonctionnent ou se formatent. Quindi, invece di utilizzare il concetto di logica meticcia, ho scritto un libro in italiano, è stato tradotto proprio con logiche meticce, io credo che bisogna appunto sostituire questo concetto con il concetto di connessioni, branchement in francese. Cosa sono queste connessioni? Ebbene, secondo me le connessioni spiegano l'esistenza di una catena di società e quindi non si può analizzare una sola cultura, una sola etnia o una sola identità per capirne il significato, ma bisogna farlo considerando tutte quelle che le sono accanto, tutte le altre società, le altre culture, e soltanto così, analizzandole in gruppo, si può capire ognuna di esse. En fait, il n'y a pas d'identité pure, originaire, fondamentale qui corresponderait par exemple justement à ce qu'on entend que, par français de souche ou bien italien de souche. Ou bien Padane, ou etc. C'est un exemple parmi d'autres. N'attachez aucune importance à ce que je viens de dire. Et je pense que chaque identité, en fait, est recours à un réseau de... C'est justement, c'est en cela que ça a un rapport avec la notion de chaîne de société. Recours à un réseau de signifiants globaux, hein, c'est-à-dire... beaucoup plus large que l'unité culturelle, ethnique ou identitaire locale, donc un réseau de signifiants globaux pour définir des signifiés locaux. Quindi questo per dire che non esiste un'identità pura, un'identità originale o fondamentale, non esiste il francese puro, l'italiano puro o il padano, ad esempio, questo è soltanto un esempio ininfluente. Semplicemente per dire che ogni identità è legata ad una vera e propria rete, e da qui nasce il concetto appunto della catena di società, una rete composta da significanti globali che bisogna analizzare per arrivare a comprendere qual è la definizione del significato locale. On a des tas d'exemples de cela, mais on tend à l'oublier. Enfin, en tout cas, les idéologues de droite, particulièrement, ne veulent pas être conscients de ce type de phénomène. Mais on peut prendre l'exemple, par exemple, du baseball, qui est le sport national au Japon, ou bien encore un autre exemple qui concerne la France. Par exemple, le couscous est devenu une sorte de plat national en France. Hein. Désormais, au lieu du poulet, par exemple, que l'on mangeait traditionnellement le dimanche à table en famille, eh bien, dans beaucoup de familles françaises, maintenant, on mange du couscous, donc, qui est un plat originaire du Maghreb. Et même, je me souviens, lorsque l'une des premières fois où je suis venu en Italie, on m'a raconté cette blague qui concerne la ville de Turin, où dans le cadre d'une association, un prêtre qui s'occupait de jeunes, d'enfants issus de l'immigration maghrébin, entre autres, eh bien, avait organisé une journée, une espèce de fête pour laquelle il avait fait préparer du couscous, justement, pour ses enfants de familles marocaines, tunisiennes ou algériennes.
Et il a, donc les enfants s'étaient alimentés. Et à la suite du repas, le prêtre avait demandé à l'un de ses enfants s'il avait apprécié le couscous. Et l'enfant lui a répondu, à sa grande surprise, oui, c'était bon, mais il n'a pas été du tout préparé comme le prépare ma mère, puisque ma mère, elle prépare le couscous avec des pâtes. Ci sono molti esempi che possono spiegare il mio approccio, degli esempi che molto spesso gli ideologi, in particolare di destra, fanno fatica ad ammettere. Pensiamo semplicemente al fatto che il baseball è diventato lo sport nazionale in Giappone, oppure il fatto che in Francia oggi, invece di fare come si faceva prima, che la famiglia si riuniva intorno al tavolo la domenica e mangiava il pollo, ebbene oggi queste famiglie mangiano il couscous, che invece è un piatto originario del Maghreb. La prima volta che sono venuta in Italia mi è stato raccontato un aneddoto che è successo vicino a Torino. Un sacerdote aveva organizzato un incontro fra bambini immigrati, in particolare quindi anche bambini di provenienza maghrebina, ed era stato offerto loro un pranzo e in questo pranzo c'era il couscous. A un certo punto il sacerdote ha chiesto ai bambini se avevano amato il couscous e un bambino gli ha risposto: sì, mi è piaciuto, però mia mamma lo fa meglio perché ci mette la pasta. Donc on ne peut pas a priori définir l'identité d'un trait culturel par son origine. Il y a une espèce d'arbitraire des signes identitaires selon les différentes cultures. Chaque culture se formate en empruntant un réseau plus ou moins large ou restreint de signifiants, la façon de définir sa propre configuration, sa propre forme. Et ça, c'est important pour contrer, justement, pour s'opposer à toutes les formes de fondamentalisme, qu'ils soient religieux, culturels, ethniques ou politiques. Quindi non si può definire un'identità basandosi sulla sua origine. Ogni cultura si forma prendendo qua e là diversi significanti ed è così che ogni cultura riesce a configurarsi. Questo aspetto è molto importante da considerare soprattutto quando è necessario far fronte ai diversi fondamentalismi che possano essere religiosi, culturali, etnici o politici. Alors, dans cette perspective, que devient la notion de métissage? Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans le même temps où les anthropologues et les spécialistes de sciences sociales ou aux États-Unis, ce qu'on appelle les cultural studies ou les post-colonial studies, mettaient en avant les notions d'hybridité ou de créolisation, qu'en est-il des populations elles-mêmes qui sont concernées par cette question du métissage ? Alors, de façon assez surprenante, on peut constater, et dans le cadre du... Vous savez qu'il y a une espèce actuellement de renouveau, enfin depuis même pas mal d'années, de renouveau indigéniste dans un certain nombre de continents, sur un certain nombre de continents et de pays, particulièrement en Amérique latine. Quindi cosa avviene a questa nozione di meticciato? Non ci si chiede mai, non ci si è chiesti che cosa è successo mentre gli antropologi, mentre gli esperti di scienze sociali, come in America ad esempio, parlavano tanto e sottolineavano questo concetto, questa nozione di ibridità, di creolizzazione, che cosa è successo concretamente alle popolazioni. Ebbene, da un po' di anni c'è una sorta di rinnovamento indigeno, se possiamo definirlo così, in diversi continenti, paesi, in particolare in America Latina. Oui, on constate que de plus en plus, justement, il y a une espèce d'émergence de ces revendications identitaires verticales, comme je les appellerais, qui concernent bien sûr les Indiens, les Amérindiens, les Indiens des Amériques, ou les Esquimaux, ce qu'on appelle les Inuits, par exemple. Sempre di più vediamo che c'è una vera e propria emergenza di queste rivendicazioni identitarie verticali, come amo definirli. Mi riferisco ad esempio agli indiani d'America o agli esquimesi. Alors, donc, dans le cadre de ce mouvement indigéniste, donc, en s'appuyant sur les politiques et les mesures qui ont été prises par les organisations internationales, comme les Nations Unies ou plus particulièrement l'UNESCO, et notamment la convention 169 de l'Organisation internationale du travail,
qui date de 1989 et qui invite les peuples autochtones ou indigènes, c'est la même chose, à formuler leurs revendications économiques en termes de en termes de revendications collectives, eh bien un certain nombre de mouvements, d'ONG, d'associations ont vu le jour sur le continent, sur les continents américains. Quindi basandosi su politiche, su una serie di misure fomentate dalle organizzazioni internazionali come l'ONU, l'UNESCO, in particolare la Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro del 1989, si è iniziata ad invitare queste popolazioni autoctone o indigene, che in fondo è la stessa cosa, a presentare le loro rivendicazioni economiche dal punto di vista collettivo. Quindi sono nate, si sono sviluppate sempre di più delle organizzazioni o associazioni che appunto presentano queste rivendicazioni, e questo nei vari, insomma, nei continenti americani. Et alors, dans ce processus, donc justement, de constitution de groupes indigènes ou autochtones, eh bien, les anthropologues ont joué un rôle éminent. Quindi in questa costituzione di gruppi indigeni o autoctoni, gli antropologi hanno svolto un ruolo importante. E c'est notamment le cas d'anthropologues prestigieux comme Alfred Métraux et surtout l'anthropologue français le plus fameux, Claude Lévi-Strauss, qui ont œuvré dans le sens de la reconnaissance de la spécificité des peuples autochtones. Quindi per sottolineare, per riconoscere la specificità dei popoli autoctoni, si sono impegnati antropologi famosi come Alfred Métraux, Claude Lévi-Strauss per la Francia. Alors donc ils ont mis en œuvre justement cette notion de peuples autochtones contre les vues universalistes qui prévalaient au sein de l'UNESCO, et en liaison avec les politiques et les mots d'ordre de l'UNESCO sur l'homme et la biosphère, sur la biodiversité et sur le patrimoine culturel immatériel. Quindi questa nozione di popoli autoctoni è andata ad opporsi all'universalismo tanto sostenuto da organizzazioni internazionali come l'UNESCO, basati su concetti come l'uomo e la biosfera, la biodiversità o il patrimonio culturale biologico. Alors on trouve justement cette conception des peuples autochtones vus comme des cultures figées, repliées sur elles-mêmes, discrètes au sens mathématique, dans les œuvres de Lévi-Strauss, les plus fameuses, comme « Race et histoire » et « Race et culture ». Quindi questa concezione di popoli autoctoni quasi immobili, chiusi in loro stessi, la ritroviamo nelle opere più note di Claude Lévi-Strauss come Razza e storia, razza e cultura. Alors, Lévi-Strauss en fait développe une conception véritablement anthropologique de la ou des cultures. Par anthropologie, je veux pas dire anthropologie au sens où moi je suis, ou un certain nombre d'autres ici sont anthropologues, mais anthropologique en l'écrivant E-N-T-R-O-P-O-L-I-G-I-Q-E. Au sens de l'entropie. Ah, d'accord. Anthropologique. E quindi Lévi-Strauss ha sviluppato questo concetto di antropologia, di cultura, non dal punto di vista nostro, diciamo, mio in quanto antropologo o dal punto di vista degli antropologi come voi, ma dal punto di vista dell'antropia. Donc il y a une espèce d'anthropologie de Lévi-Strauss, hein, au sens de l'entropie, c'est-à-dire, moi personnellement je me situerais plutôt du côté opposé, c'est-à-dire je suivrais plutôt les idées du chimiste français Lavoisier, au sens de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Io mi collocherei piuttosto a un lato completamente opposto, seguendo più che altro il pensiero del chimico Lavoisier, che diceva nulla si perde, nulla si crea e tutto si trasforma. Moi, je serais plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de Carnot, qui était un physicien,
Lévi-Strauss est plutôt de l'autre côté, du côté de Carnot, qui est un physicien et qui est le père de l'entropie, E-N-T-R-O-P-I-E, entropie, je suppose que ça se dit comme ça en italien. Oui. Et donc, c'est l'idée que dans un système clos, les conditions se dégradent. Mentre invece Lévi-Strauss si colloca piuttosto dal punto di vista del fisico Carnot, quindi dell'entropia, secondo cui in un sistema chiuso le condizioni finiscono per degradarsi. Donc il y a cette idée qui a été propagée par Alfred Métraux, par Lévi-Strauss et par d'autres aussi, que les cultures autochtones ou indigènes, les cultures des peuples autochtones ou indigènes se dégradent parce qu'elles sont agressées par la culture occidentale et donc il faut les sauvegarder. Quindi c'è questa idea appunto di Lévi-Strauss fra gli altri che dice che le culture autoctone o indigene rischiano di degradarsi e quindi bisogna assolutamente proteggerle dall'aggressione delle culture occidentali. Il faut les sauvegarder comme il faut sauvegarder la biodiversité, donc il y a une espèce d'équivalence qui est établie entre biodiversité e diversité culturelle. Bisogna salvaguardarle, quindi bisogna proteggerle come bisogna proteggere la biodiversità. E quindi si crea una specie di equivalenza tra la biodiversità che deve essere tutelata e questa diversità culturale. Donc la tâche de l'anthropologie, ce n'est plus d'étudier les cultures exotiques, mais c'est de les sauvegarder, de venir à leur secours. Et donc il y a de plus en plus on constate que les anthropologues, notamment en Amérique latine, mais pas seulement, s'identifient totalement aux cultures qu'ils étudiaient autrefois. Quindi l'antropologo oggi non tende più a studiare le culture esotiche quanto a proteggerle. È quello che succede ad esempio con gli antropologi dell'America Latina che tendono sempre di più a identificarsi con le culture che prima studiavano. Or, les cultures ne sont pas. Bien sûr qu'elles sont menacées par les cultures autochtones ou indigènes sont menacées par la culture occidentale, mais ce qui ne veut pas dire qu'elles sont irrémédiablement vouées à la disparition. Non si può negare, senza dubbio, che queste culture autoctone siano minacciate dalla cultura occidentale, ma questo non significa che scompariranno. Mais c'est cette idée dont se sont emparés les peuples autochtones et indigènes, parce qu'évidemment ça correspond à leurs intérêts économiques et politiques. Però questa idea l'hanno assorbita queste popolazioni autoctone proprio perché permette di seguire i loro interessi economici e politici. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, les associations indigènes ou autochtones ou les ONG locales en Amérique latine ou ailleurs refusent totalement la notion de métissage. Ed è proprio per questo che il concetto di meticciato viene assolutamente rifiutato dalle associazioni indigene, autoctone o dalle ONG locali. Et refusent la notion de métissage parce que précisément si elle se définissait comme si ces peuples se définissaient comme métis, ça compromettrait leurs revendications en termes de droits sur les terres ou de droits politiques. E questo perché se accettassero l'idea del meticciato vorrebbe dire che dovrebbero considerarsi come società meticce e quindi questo comprometterebbe le loro rivendicazioni territoriali o politiche. Par exemple, les Indiens des États-Unis ont tout intérêt à mettre en avant leur indianité, une indianité pure, pour réclamer des terres afin d'y installer des casinos qui leur apportent beaucoup. Des casinos? Oui. Ad esempio, gli indiani d'America traggono soltanto un vantaggio dal sostenere che sono indiani puri, perché così riescono a recuperare le loro terre sulle quali si possono aprire dei casinò ed è una cosa che permette loro di arricchirsi notevolmente. Ou parce qu'ils veulent revendiquer des droits sur le sous-sol, les gisements d'hydrocarbures ou des gisements miniers d'une autre sorte. Oppure sempre per reclamare le terre per i diritti del sottosuolo dove ci sono spesso giacimenti di idrocarburi. D'où l'utilisation par ces groupes autochtones ou indigènes, et on revient un peu à l'autre conférence de ce matin, l'utilisation de l'ADN pour prouver leur filiation directe par rapport à un ancêtre autochtone ou indigène.
E quindi, come si diceva questa mattina, questi gruppi autoctoni o indigeni ricorrono sempre di più all'uso del DNA per dimostrare che avevano un antenato autoctono indigeno. Par exemple, les Africains, certains Africains américains qui sont en procès avec des sociétés qui sont les héritières des sociétés qui ont effectué la traite des esclaves entre l'Afrique et le Nouveau Monde, grâce à l'ADN, peuvent prouver, par exemple, qu'un de leurs ancêtres était originaire de telle ou telle région ou ethnie d'Afrique. Ad esempio, gli africani d'America, in questo momento in cui ci sono questi processi con le società che si occupavano della tratta degli schiavi, grazie al DNA possono dimostrare che avevano un antenato che era uno schiavo africano. Et donc le métissage est renié, dénié par beaucoup de ces groupes, alors qu'on sait très bien, par exemple, que ceux qui se revendiquent comme Africains, Américains aux États-Unis, ou ceux qui se revendiquent comme Américains, Indiens, se sont depuis longtemps intermariés, mariés avec des gens d'autres groupes, avec les Africains, Américains, avec des Indiens ou avec des Latinos, etc. Donc ce ne sont pas des gens qui descendent en droite ligne des esclaves, par exemple, qui sont arrivés sur le sol américain. Quindi queste persone che rifiutano il concetto di meticciato, in realtà si sa benissimo che poi si sono mescolati, quelli che rivendicano tanto la loro appartenenza all'etnia africana d'America oppure gli indiani, in realtà poi nel corso della storia si sono mescolati, si sono sposati gli uni con gli altri, si sono mescolati i gruppi, ad esempio anche con i latini, quindi nessuno di loro discende in linea retta da uno schiavo per il caso degli africani. Donc les plus fondamentalistes sur le plan ethnique, culturel, identitaire, ce sont les groupes autochtones, entre parenthèses, entre con la virgolette, autochtones ou indigènes eux-mêmes. Quindi i più fondamentalisti sono proprio tra virgolette questi gruppi autoctoni, questi gruppi indigeni. Mais alors, paradoxalement, là aussi, certains groupes, par exemple, certains groupes d'Amérindiens au Québec, au Canada, se revendiquent comme métis. Paradossalmente ci sono alcuni gruppi indiani d'America in Canada che rivendicano il fatto di essere meticci. Alors là, c'est au contraire le fait d'être métis, ça veut dire dans ce cas-là que l'on n'est pas on n'appartient pas au groupe des blancs purs, mais qu'au contraire qu'on a du sang indien dans les veines. In questo caso però essere meticcio significa non essere un bianco puro, ma avere del sangue indiano nelle vene. E donc ça permet dans ce cas-là aussi, mais sur des bases différentes, de revendiquer des droits sur les terres ou de revendiquer des droits plus généralement des droits économiques. Anche qui, quindi, seppure in misura diversa, l'obiettivo è quello di rivendicare dei diritti sulle terre o comunque dei diritti economici. Alors donc ça veut dire tout ça que la notion de métis ou de métissage, on ne peut pas définir a priori ce qu'il en est. Enfin, on ne peut pas donner un sens univoque à la notion de métissage. Tutto questo per dire che non si può attribuire un senso univoco alla nozione di meticciato. La notion de métissage est multiple, diverse, variée, et donc il faut examiner le contexte d'utilisation de la notion de métis dans chaque cas, dans chaque société, et c'est chaque société qui donne la clé de la signification du concept de métissage. E questo perché il concetto di meticciato è diverso, è vario, quindi per comprenderlo bisogna esaminare ogni contesto nel quale viene utilizzato, ogni caso, ogni società sarà quella che poi darà la chiave del significato di meticciato. Je vous remercie. Grazie.